Nang's Reborn. Ouais, une affaire de Saint-Valentin qui a mal tourné. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subban. Nous sommes de retour pour notre vidéo hors du commun. Venez. Venez voir ça, parce que ce que je vous montre, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Parce que ça, boum. Waouh, c'est extraordinaire. Une affaire de Saint-Valentin qui a mal tourné. Sérieux? On dit, oh, c'est le 14 février, venez, on va le faire la Saint-Valentin. Chaque gars appelle sa go. Et le monsieur qu'elle a, elle a appelé la fille qui est ici. Il dit, chérie, c'est la Saint-Valentin, c'est comment? Tu viens ou pas? Elle lui dit, non, écoute, chérie, je suis malade. Boum, sérieux? Ça, c'est selon les informations qu'on voit sur les réseaux sociaux, elle voit de vos propres yeux tout de suite. Et voici que le monsieur, croyant que sa copine était à la maison, il la retrouve plus tard dans un lieu public avec un autre homme. Il dit, mais quoi, sérieux? C'est pas possible! Et regardez, la fille, voyant la colère de son homme, a décidé de se mettre à genoux pour lui demander pardon. Yati, Sabari. Mais le monsieur est toujours en colère. On dit, 14 février, les risques du métier. Les risques du métier, les filles. Les risques du métier. J'ai pour dire, c'est comme ça les filles d'aujourd'hui sont devenues. Hein? Donc c'est leur job. Sérieux? Tu me dis si c'est du bâtard. C'est étonnant, hein? Bon, je vais vous montrer d'abord ça et vous allez me dire si c'est un buzz ou bien c'est réel. Maintenant, regardez ça. Vous voyez ça? Voici ce qui s'est passé. Oh, c'est... Il a même chifflé. Pourquoi? Attendez, je ne crois pas. Attendez, regardez un peu ici. Il est écrit ici. C'était donc chaud hier. On dit Sago lui a dit qu'elle était malade. Elle ne pouvait pas sortir. Mais il va la croiser dans un supermarché avec un autre gars. 14 février, les risques du métier, les filles. C'est mieux. Boum. Face à ça. Une femme qui a dit, ah bon, donc ça fait mal qu'on vous trompe. Ça pour dire que vous, quand vous nous trompez, nous on pardonne. Mais quand nous vous trompe, vous, vous mettez en colère. Sérieux. Et regardez le visage du gars. Regardez le visage du gars. Ah, on dirait que c'est sérieux, hein. Oui, parce que c'est un truc de buzz. Mais regardez son visage, regardez le sourire, hein. Il est vraiment fâché. Affaire de goût. Affaire de copine. Moi, je suis pas dedans. Hein? Moi, je suis pas dedans. Laissez-moi tranquille ici. Oh. Laissez-moi tranquille. Regardez. Oh, regardez. Elle reconnaît son erreur. Elle vient se mettre à genoux pour lui demander pardon. Et vous voyez, c'est rare de voir certaines filles le faire. Hein? C'est vraiment très rare quand même. Très rare. Peut-être qu'elle aime bien le gars, mais elle a fait une erreur. Ouais, non. Elle a fait une erreur. Elle a cru que ça allait passer crème, tranquille. Mais regardez. Ah, elle veut se mettre à genoux comme ça devant lui. Pour lui demander pardon. Mais est-ce que c'est sincère? Moi, je pense que c'est sincère. Comme c'est sur le public aussi. Bon, je pense que c'est sincère. Et regardez, elle fait tout, elle demande pardon. Mais le jeune gars, il semble être vraiment très très en colère. C'est que vraiment, il aime bien la fille. Hein? Regardez. Et les gens à côté essaient de calmer le gars. Non, écoutez, ça va. Et il a giflé. Mais pourquoi l'a-t-il giflé? Pourquoi?
On dit que c'est l'amour qui s'est manifesté comme ça. Quoi? Sérieux? Amour comme ça? C'est de l'amour, sérieux? Amour gifle les gens, sérieux? La manière dont vous aimez les gens aujourd'hui, là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Je ne vous comprends plus. Regardez. Et quand il a giflé, les gens se sont mis en colère, ont commencé à crier. Regardez, elle est venue demander pardon. Et mon frère, pardon. Regarde, pardonne-moi. Elle s'est mis à genoux. Regardez. Attendez, il a gâté quelque chose. Quand il a fini de la chiffrer, il s'est même assis sur le sol. Tellement il est dépassé. Quoi. Il est dépassé. Il pleure. Regardez. Il est assis sur le sol. Regardez, il pleure. Il est en train de pleurer même. Il est en train de pleurer. Il pleure. Regardez, les gens le calment. Les gens le calment. Il pleure. La fille vient vers lui. Et pourquoi est-ce qu'il s'est assis comme ça? À terre comme ça, en train de pleurer. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, ça les touche. Tu as fait le coup, toi, les problèmes de temps. Ce chant d'amour aujourd'hui, là, vraiment, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Regardez, le gars s'est assis. Un grand gars, regardez. Un testicule là, qui est assis à même le sol. Il pleure. Est-ce que ça c'est pour faire le buzz ou bien c'est réel? Je ne sais pas. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais ces images peuvent être vraies. Vraies, non? Ça peut être vrai. Les filles qui mentent. Les filles qui mentent. Hey. T'amènes à respirer, c'est quoi ça? Mente. Je nous ai dit tu mens comme tu respires. Mais cette image est vraiment. Ça me choque. Vous voyez ça? Oh, vraiment. Je vous laisse regarder encore. Hein. Regardez encore très bien. Regardez comme le gars en colère. Vraiment. On lui demande pardon. La patrouille lui demande pardon. Vraiment, ça là, ça m'a touché. C'est mal à genoux. S'assoit même le sol. Venez à côté. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que c'est un montage ou bien c'est une chose pour faire le buzz? Rien n'est impossible, mais ça fait vraiment, ça touche profondément. Quand un homme aime une femme sérieusement et qu'il donne tout son cœur, il n'aimerait vraiment pas être déçu. Et puis ce qui est mauvais dans ce moment, c'est que la personne à qui tu donnes ton cœur, c'est cette personne qui te fait le plus de mal. C'est pas croyable, c'est possible, c'est incompréhensible. On est où là? Vous buvez quoi même? Vous les filles là, vous buvez quoi? Si c'est pas le gars qui trompe la femme, c'est la gueule qui trompe le gars. Ah! C'est bizarre. Là, nous, on se tient à distance. Et oui, regarde. Oh, oui, regarde. Vraiment, ça fait mal. Ça fait très terriblement mal. Des gens qui se sont jurés amour et fidélité se retrouvent à se donner des coups de poing. C'est vraiment très, c'est regrettable. Ça me fait mal. Ça me choque. Je suis jamais de pleurer. Ça me touche, mais j'ai envie de rire. Je ne peux pas pleurer. Même quand ça me fait mal, je fais une faux pourri. Ouais. Je dois rire. Je dois garder la tête haute. Maintenant, une question à vous poser. Si vous découvrez que votre femme vous trompe, qu'est-ce que vous allez faire?
Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui pardonner? Ou vous allez carrément vous séparer d'elle? En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand un homme trompe une femme, la femme pardonne. Mais quand la femme tombe un homme, c'est difficile qu'il lui pardonne. C'est bizarre. Je demande à Dieu que Dieu me donne la force d'avoir un bon cœur. D'avoir toujours un bon cœur pour pardonner. Même quand on m'a fait du mal. Même quand ma femme m'a trompé, par exemple. Ouais. Que Dieu me donne la force. Parce que lui n'est pas fait après tout. Lui n'est pas fait. Lui n'est pas fait, mais il ne faut pas mentir quand même. Pas mentir, tu dis que tu es malade alors que tu es en bonne santé, tu sors. Ça là, c'est quand même, tu es allé trop loin, ma soeur. Tu es allé trop loin. Ah, même deux montagnes se croisent. C'est pas toi, on va te croiser. Il t'a mis à attraper là. C'est comment? Qu'est-ce que tu as dit? Mais elle a reconnu ses erreurs. Elle demande pardon. C'est la vie. Yako à tous les deux a fait de ses valeurs. Voici ce que ça donne. Yako. Bon, ça va aller. Ça va aller. Mais un mot comme ça, ça dure longtemps quand même. Bon. Mais ça va aller. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Application Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.